c'est quelqu'un. C'est quoi le problème? C'est quoi ça? C'est ton sac? C'est, mon... c'est la tienne? Oui, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi dans le sac? Non. Regarde, s'il vous plaît. Laisse-moi voir. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Excuse-moi. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Donne-le-moi mon sac. Bon. C'est bon. Mon Dieu. Au revoir. Putain. Don't you forget about me. Ce que vous avez vu, c'est un exemple de ce que le harcèlement fait aux individuels. Quand même, cela n'est qu'une situation. Les autres peuvent pousser quelqu'un à faire le suicide, l'automutilation, la violence, aussi la dépression. Il est important qu'on prenne le premier pas de l'arrêter. Plus que 3,2 millions d'étudiants sont les victimes de l'harcèlement chaque année. Un de quatre profs ne fait rien pour arrêter l'harcèlement et juste 4% ferait quelque chose contre ce que se passe. Merci pour votre attention.